La rue des Rosiers, un bastion ancien du judaïsme français. Les Juifs se sont installés au bord du fleuve pour y faire commerce. Nous sommes là pour continuer à y faire commerce de livres. Je m'appelle Louise Manichevert, je suis née en France, d'une mère déjà née en France. Je suis donc une vraie Française. La librairie, en fait, a commencé avec un projet de présenter tous les livres qui peuvent permettre à chacun de retrouver l'entrée dans son histoire ou la poursuite de son histoire. Nous vendons aussi tous les objets qui sont en rapport avec la vie juive, pour les fêtes, pour le Shabbat. C'est tout juste si nous ne vendons pas de pain, mais nous laissons cela aux voisins. Une équipe dont je me sens très très proche. C'est un peu comme une grande famille et je pense que c'est l'impression que nos clients ont quand ils entrent chez nous. Ils disent toujours se sentir à l'aise, se sentir bien. C'est un peu notre but de partager du temps, de partager une culture qui appartient à l'humanité. Donc nous sommes là pour aider à sa transmission. Chaque jour est spécial, chaque jour est particulier, chaque jour est une rencontre avec quelqu'un qui ne savait pas, par exemple, qu'il était juif jusqu'à la mort d'un de ses parents et pour qui c'est une découverte qu'il va falloir aider à cheminer dans sa complexité. On fait quelquefois rabbin, quelquefois assistante sociale. Nous n'avons pas eu de grands visiteurs, ni la reine d'Angleterre, ni Madame Simone Veil, mais beaucoup d'autres personnes très attachantes qui ont marqué la vie de la librairie. Sans solidarité, il n'y a pas de vie. C'est fondamental. On ne serait pas venu au monde, on ne nous aurait pas donné le sein, on ne nous aurait pas nourri, on ne nous aurait pas réchauffé. Je pense que les gens aiment beaucoup venir ici à cause de ça aussi, parce que d'abord c'est un endroit petit, c'est un endroit ramassé. Il n'y a que des bonnes choses, de la nourriture, des livres. En fait, je pense que ça donne aux gens une impression d'intimité, de présence de l'autre et de solidarité, tout simplement. Personne n'est tout seul ici. Voilà. C'est ça la rue des Rosiers.